Bien, on y retourne. J'ai fait une petite pause là, ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi, vous avez fait une petite pause, vous avez à boire, à manger. Ah bah, waouh, J'ai repéré des ennemis. ok. Ouais, moi aussi j'ai repéré des ennemis. De nouvelles cibles. Ouais. Un peu d'action. Ah non, 7 sur lui. Non mais quand vous voulez les gars. Hein. Ouais, de nouvelles cibles. Ah les gars, vous êtes un peu lent, je trouve. J'avais oublié que vous étiez complètement teubé là. Pièce d'or, ok. Se mettre là. Oh, ok, on va pas se mettre là tout de suite, tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La bagarre, voilà ce qui se passe. Orc, orc et orc, la bagarre. Je peux le faire. La C'est la volonté de nous bagarre. avoir croisés. Et la bagarre. Je peux le faire. J'ai dit la bagarre. Elle voit pas ce qu'elle fait, c'est pour ça, à chaque fois. Hop, ça c'est bon. Hop, lui, c'est bon. Allez, allez les gars. Allez les gars. Voilà, coup de bâton. C'est bien. Alors, hache de lancer et une hache que je n'ai pas vue. Hache de lancer plus 1. Oh. Qu'avons-nous ici? Un petit festin. Très bien. Alors là, le plan, ça va être de soit d'aller là, soit de faire tout ce tour, et j'ai très envie de faire tout ce tour, parce que là, franchement, s'il n'y a rien, c'est que il y a quelque chose. Là, il y a un truc, c'est pas possible qu'il n'y ait pas grand-chose. Ça m'étonnerait énormément. Donc là, déjà, il y a la croisée des chemins, avec une porte par ici. Il n'y a rien du tout là, ok. Donc là, déjà. Ok, donc là je peux pas y aller, très bien. Ça me rassure sur ce que j'avais comme idée. Ça, normalement, ça me. Je peux passer par ici. Je ne suis pas passé par ici, sauf que Oui. là, je suis sûr et certain, genre 100%, que c'est un piège. Qu'est-ce qui se passe? Donc, go. Go, go, go. Oui. Formation. Quelle gare? Je le sais, je le savais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Quelle gare? Bouge. Et va, tac, prends-lui. Toi, prends-lui. Et toi, ma grande. Avance, avance un tout petit peu. Et voilà, go. Ah, 6. Aïe, 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 renversement. Gare, qu'est-ce que tu fais? Elle est morte, évidemment. Bah, les gars, quand. Mais les gars! Oh là là, c'est compliqué votre vie. Et toi aussi. Bien. Donc, on a une belle salle. Voilà, ça c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Un. Cri encore, encore un cri. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Il ne fait pas grand-chose, du coup, il va falloir que je l'examine. Très bien. Repos pour tout le monde. J'ai vu un coffre quelque part.
Ah bah il était là, ok. Bon bah c'était le coffre. J'ai dû détruire quelque chose. Des pièces d'or. Des carreaux des billes. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Bon. Bon, ça me rassure sur ce qu'il y avait ici. Cependant. Ça ne me rassure toujours pas sur ce qu'il y a là-bas. Et là-bas, j'ai très très peur de ce que je vais trouver. Surtout derrière cette porte. Hop là, quel gare. Ah. C'est une porte verrouillée. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment. Oui. Évidemment. Cette porte est verrouillée. Bah. Rejetage? Enfin. Et là, il y a un orc. Sabotage réussi. Et bah, go. Oh là là, il y a beaucoup de personnes là. Les ennemis sont en vue. Je me charge de celui-là. Ah, une montée de niveau. Parfait, tout ça. Ouais, à l'attaque en effet. Quel gars il est où? Il est là-bas. C'est bon, bah, tout le monde s'est débrouillé, c'est parfait. Et en plus, il y a un level up. Ce qui m'arrange encore plus. Et ça, c'est bien. Alors, on va déjà choper les restes. Un arc long, tiens, bah, prends-le. Et c'est tout ce qu'on a, c'est encore un campement. Il y a des pièces d'or, bien. Et ben, c'est qui part pour la montée de niveau. Allez. Donc, mon cher Brandy Black, toujours roublard. Je pense que... On va mettre ça dans le... Alors, l'escamotage, c'est le vol, n'est-ce pas? De subtiliser des objets, ça, on s'en fiche. Moi, ce que je voudrais, c'est déjà le crochetage. Bon, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout, hein, pour le savoir, mais désamorçage, ça, hop, on va te mettre à fond. Le bluff, ça, on s'en fiche. La fabrication, on s'en fiche. La diplomatie, je vais me rajouter un point dans le loot. Et la parade. Voilà. Suivant. Et je peux prendre un don. Ah, alors qu'est-ce qu'il me recommande? Le jeu me recommande la négociation. Alors, confère un bonus de plus 2 sur la thèse de diplomatie et de bluff. Non. Moi, je voudrais prendre l'attaque en puissance. Non, la grande poigne. Ah. Bonus de base à l'attaque. Non, l'esquive. Alors, ça, oui. Ça, le gagne un bonus d'esquive de plus 1 à la constitution 1 contre les attaques contre les cibles, son arrestation, utilisation automatique. Bien qu'une condition qui aurait... Oui, bah moi je vais prendre celle-là. Alors, plus 8 points de vie, etc., etc. Parfait. Suivez-moi. Quel gars? Carrier, évidemment. Je le mets en auto, je le mets tout en automatique. Et qu'est-ce qu'il me recommande? L'attaque éclair. Oh, bonus de... À l'attaque de base d'au moins plus 4, attaque en rotation. Oui, les adversaires peuvent effectuer l'attaque. Ça me paraît pas mal. Plus 16 points de vie, ok. Oui. Mon cher. Comment t'appelles-tu déjà? Je sais plus comment il s'appelle, ça y est. Kazavir, voyons voir. Donc toi, tu es paladin. Ah, tu es paladin. Ah, bon bah, du coup, pareil, la concentration, etc. Guérison des maladies, ça c'est très très cool. Et on t'en commande un bouclier divin, voyons voir. Renvoie des morts vivants, ouais, Carif, etc. Alors, le personnage peut sacrifier une de ces autres types de renvoi des morts vivants pour ajouter... Ah, non. Non, 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 ça me plaît guère. Je pense qu'un renversement serait beaucoup plus adapté. Et plus 12 points de vie, etc., etc. Et pour notre cher Kara, qui devrait augmenter ses points de vie, j'espère. Donc là, pareil, hein, concentration, bluff, etc. Alchimie, savoir, etc. Art de la magie. Art de la magie, j'aimerais mettre un... J'aimerais mettre à fond. C'est déjà mis à fond, ok. Qu'est-ce qu'on me recommande? Extension d'effet. Capacité de lancer des sorts de niveau 2. Oh! Vous voyez, description. Tous les effets quantitatifs.
quantifiées, pardon, et variables d'un sort étendu sont augmentées de 50% à projectile magique, infligera. Pas parfait. Écoute, c'est parfait. Et je peux avoir un nouveau sort. Qu'est-ce qu'on me recommande? Tempête de glace au niveau 4. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me recommander au niveau 1? J'ai pas vu. Ok, on me recommande Tempête de glace et je peux... ok. Alors, je peux changer quand même des sorts. Très bien. Donc, voyons si je prends en recommandation. Alors, on me recommande la boule électrique de Gedli. Au moins, j'aimerais dire des éclairs. Oui. Oui, ça me tient. Alors que ça, voyons. Ah, ça pourrait être pas mal. Mais je vais garder un éclair. Ah, un éclair. Ça rend toutes les créatures en ligne droite. Bon, ça se tient. Et la tempête de grêle. Alors ça, je pense que je vais la prendre. Du coup, c'est tout bon. Plus 6 points de vie. Et je m'en vais. Donc, alors que je me rappelle, c'est le sort. Je m'en vais donc utiliser, mettre la tempête de glace dans mes sorts. Si je peux m'en assurer. Extension d'effet. Ah, d'accord. Extension d'effet, c'est uniquement sur ces sorts. Très bien. D'accord. Je sais plus comment j'avais fait pour mettre des sorts comme ça. Non, je m'en souviens plus. Très bien. Bah, ça, c'est m'énerve. Juste... Ah bah oui, non. Excusez-moi, c'est peut-être là-dedans. J'essaie de me souvenir comment j'avais fait, mais bon. Ça remonte. Est-ce que j'avais fait pause et j'avais fait ça? Non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Très bien. Bon, je ferai avec. On reprend. On fait une petite save. Du coup, le niveau suivant, il sera à partir de quand? Il sera... Non, si, il sera au niveau... Ah, 45 000, donc ouais, il me faut quand même pas mal d'XP. Ok, et eh ben on continue, messieurs, dames. On continue l'exploration. Un piège. Un fucking piège. Si oui. C'est piégé, j'envoie... mon perso principal pour la détection. Oh, je n'aime pas bien. Ouh, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Suivez-moi. Je n'aime pas ça du tout. Notre prisonnier refuse toujours de parler, préparer le chevalet, nous avons de voir recours des moyens plus primitifs. Hein, nous briserons. Messieurs, ah, si seulement il pouvait être converti, si c'est impossible, il nous faudra fournir à l'orne un émissaire qui puisse frapper pas d'hiver dans l'intérieur. Il y a des intrus. Eh ben parfait. Tous sur lui les gars. Et Kara, écoute, on va utiliser ton nouveau sort. Oh! C'est pas ce que je voulais faire, c'était celui-là que je voulais utiliser. Elle garde aussi, tiens. Impec. Et bah les gars, il reste un garde. Kara. Voilà, merci les gars. Ça veut dire qu'il y a un prisonnier quelque part, si j'ai bien suivi toute cette histoire. Et ça me... Oui, mais c'est histoire de... Oh là 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 là. C'est juste histoire de voir les équipements. C'est juste histoire de voir les équipements, mon grand, calme-toi. Faudrait que je la revende tout ça. Bon, là, je sais que tu peux quasiment plus bouger. Alors, j'ai un pavois, des rondages, des armes, des armures, dagues en argent alchimique. Oh, c'est un métal. Ok, bon, c'est juste ça. Ouais, écoute.
Hop. Hop. Ah merde. Ah mince. Je croule un peu sous le poids là. Ah merde. Robe de résistance à l'électricité? Oui. Bah, c'est parfait pour toi ça. Hop. Résistance aux à l'électricité. Bah écoute. Hop là, c'est parfait. Ouais, je vais t'enlever un petit peu de trucs parce que t'es un sec pour rien. L'arme d'âche. Tu peux déposer. Voilà, et toi, les haches de jet, tu peux déposer. Tu peux même déposer les deux. Ça, tu vas me les garder. L'arc, quoique. La rondache, tu peux la déposer. Tout ce qui est assez classique, on peut les déposer. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Les flèches aussi, voilà. Quel garde? Faut que je fasse un petit peu de choix maintenant. Oui, les H2. Oui, on va déposer plein de trucs, tout ce qui est inutile en fait. Ah non, ça se vend cher. Ça c'est non H nul. Cimeter. Oui, H2G, tu peux déposer. Ça aussi. Ça se revend, ça je ne sais pas. Ça se revend. Voilà. Je pense déjà que ça devrait être pas mal. On l'a un petit peu baissé au niveau du poids et tout le reste, je le revendrai. Moi, je suis toujours ultra chargé. Bah du coup, je vais poser des trucs, de toute façon. Hop. Oui, la rapière. Oh, petite rapière. Fais voir. 1d6, altération plus 1, ouais. Le pavois. Je croule un peu sous le poids, là. Morgenstern plus 1, je le garde. Mon chargement grève mes mouvements. Oui, je sais, trop lourd, ah, c'est bon, hein. T'étais un autre cuivre, ah, puis tout le reste, hein, je sais pas. Armure de cuir clouté, j'en ai déjà plein. Donc c'est bon, je peux m'en débarrasser. Ouais, c'est bon, je peux m'en débarrasser. Suivez-moi. Ah, c'est peut-être la hache d'arme. L'armure de peau, je peux pas lui mettre. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas lui mettre, ah bah non, ouais, bah déposer aussi. Voilà, c'est tout bon. Un petit repos. Et puis on avance. Tu dois faire des choix, et puis voilà. Suivez-moi. Y'a rien là-bas. Y'a rien là-bas, je pense qu'on arrive. Hop, 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 hop. On arrive, lui. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il va falloir utiliser tes petits sorts. Ah mince, elle voit pas. Là, elle devrait voir. Encore un. Ah bah c'est bon en fait. Ah, c'est quand même bien utile, ouais. Ok. Désévire, il va où? Il va là-bas, ok. Bah c'est tout droit. C'est tout droit les gars. Hein. Connaissez le chemin. Oh, quel gars! Je t'en prie, quel gars! Encore un autre. Voilà. On avance, on esquive la zone principale de danger. Et il en reste un là-bas. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que. Il a frappé dans le vide, pourquoi? Impec. Alors. Pièce d'or, ça c'est ok. Pièce d'or, c'est tout ok. Ah, un râtelier d'armes. Fléau d'armes léger. Oh, combien ça pèse ça? 5. Elle peut le prendre, parfait. Et donc là, c'est l'éboulement. Ok. Bien,
Et ben, ça va être parti pour cette zone-là. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Allez. On se prépare, on se prépare, on se prépare, on se met bien devant. Comme ça, devant la vue de tout le monde. Impeccable, et bah c'est comme d'hab. Notre cher Khelgar qui va aller en avant. Une petite save, évidemment. Et c'est parti. Qu'est-ce qui m'a... Ouh là là. Ah, l'ogramme Arcueil. Oui. Tant que je peux m'avancer un petit peu pour préparer mes sorts, c'est tout bon. Oui. Ok, j'ai pas encore activé la zone de trigger. J'avance tout doucement, tout doucement. J'aimerais éviter de faire une bêtise. Pas d'hiver n'ose pas envoyer ces minables en gris pour m'affronter. On m'envoie des assassins. Nous ne sommes pas des assassins. C'est vous qui envoyez les tribus combattre ceux de Pas d'hiver qui s'installent ici. Et nous sommes ici pour y mettre un terme. Voici donc le Catalmacht qui nous attaque et donne aux minables en gris le temps de se reposer entre deux assauts. J'ai du mal à comprendre comment vous arrivez à terrifier mes guerriers. C'est l'heure de mourir, Catalmacht, ainsi que la racaille de Pas d'hiver qui vous commande. Alors, misérable, on est prêt à mourir? Franchement. Vous voulez m'affronter en combat singulier? Vous n'êtes pas orque. Vous n'aurez pas cet honneur. Yessog vous a trahi. Ce lâche m'a prévenu de votre arrivée et m'a aidé à m'y préparer. Comment Vous êtes ça? déshonoré, Yessog. Regagne ce que tu as perdu en combattant à mes côtés. Achevez-les. Que tout le monde sache que c'est l'ogre Arracheuil qui a écrasé ces chiens de Pas d'hiver. Oh bah alors là frère, et bah go. Je me charge de lui. Go. Coincé. Et D'accord, je me toi, charge. go. Ah, l'ogramme, ok, alors toi. Ah! Ma concentration! Bon, l'ogramme, il va mourir, de toute façon. Non mais. C'était nul ce combat. C'était un peu nul ce combat. L'ogramme, alors. Oh, il a encore plein de choses. Un médaillon work. Ben, je prends. La potion, je prends. La masse. Alors, attends. Oui, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a. Ah, pauvre hologramme. Pauvre, pauvre de lui. Ça me désole de faire ce combat aussi nul. Suivez-moi. Bon, attends, c'est toi qui vas aller rechercher tous les drops. Et ensuite on trie. Je suis trop chargé pour bouger. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une ceinture d'épéiste. Qui n'a pas de ceinture? Tu n'as pas de ceinture. Tu n'as pas de ceinture. Oui. Donc, tiens, c'est un cadeau. Prends. Voilà. Oui. Ici, qu'est-ce que j'ai? Une cote de maille plus 1, une cote de maille plus 2, donc ça c'est inutile. Une grande hache de pierre-feu. Oh! Est-ce que Khelgar peut. Ah mince, c'est une arme à deux mains. Ah, aïe aïe aïe. C'est normalement, mais ah, quand même, hein. Quand même, quand même. Je le laissais. Code de maille, un casque. Est-ce que je peux normalement utiliser ça ici? Enfin, utiliser. Hop, je lis mon petit parchemin. Casque de garde, c'est bien nul. C'est bien bien nul. Détection, fouille pas. Mais c'est pour moi ça. Je retire ce que j'ai dit. C'est pour moi. Ça m'enlèvera ce masque
Concentration, détection, fouille et perception, tu passes à plus 5 et jusqu'à plus 8. Bago. Oh bah alors là. Tiens, cadeau. Et puis j'ai aussi cette cote de maille plus 2. Ah bon, d'accord, je vais t'enlever des trucs, c'est bon. Je vais t'enlever la petite dague déjà. Ce sera toujours ça. Et puis je vais t'enlever. Oh, j'enlève un pavois. Allez, j'enlève un pavois. Encore? Bon. J'en ai deux. Bon, allez, j'en enlève une. Et j'enlève ça. Voilà, ça va mieux là, normalement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Putain, j'ai une trop belle tête. Ah, je suis encore un petit peu lourd? Je suis encore un petit peu lourd, en effet. Une amulette. Une amulette qui fait quelque chose. Et le reste là. Une chemise de maille. Ouais, bof. Il faut que j'enlève encore quelque chose. Il faut que j'enlève encore quelque chose. Bah, je vais enlever ça. Voilà. Bon, maintenant. Maintenant que j'ai fini ce petit moment. Il y a une porte ici, sûrement la sortie, et il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, le prisonnier, sûrement. Ah non, c'est pas un prisonnier. Ça veut dire que c'est pas fini cette zone? Ah, intéressant, intéressant. Crochetage réussi. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un premier coffre. Avec un atelier d'armes, du coup je vais explorer ce atelier d'armes. Masse de brèche. Je suis trop chargé Je pour sais bouger. toujours pas ce que c'est, puisque je n'arrive toujours pas à savoir. Non. Bon, bah c'est toi, c'est lui qui prend. Et là, ce coffre, je vais essayer de voir si. Attention. C'est bon. Pièce, poudre, carreau, shuriken, flasque d'acide. Je suis trop chargé pour bouger. C'est peut-être la flasque d'acide. Où est Shuriken? Et Shuriken. Ouais, Shuriken déposé. Hein. C'est bon. C'est pas les Shuriken. Qu'est-ce que ça peut être? Ah ouais, ah bah si, ça me fait deux masses de brèche. Ah, ça m'en fait deux. Oui. Ok. Oui. Bon, là, faut arrêter de faire le. Faut arrêter d'être bête. Bien. Normalement, c'est tout bon, donc allons par ici. J'espère qu'il y a. Ah non, il y a un couloir. Je savais qu'il y avait autre chose. Je le savais qu'il y avait autre chose. Je l'ai vu de très très loin. Bon, d'ailleurs, Suivez-moi. vous, c'est quand vous voulez pour venir, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bah, faut que tu viennes, Kara. Ça fait un moment qu'il faut venir. Suivez-moi. Oui, on va te suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme surprise de ce côté? J'ai des pièges et j'ai une porte. Il y a Oui. une porte. C'est vrai. Il y a une suite, un autre étage. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce que passe? ça peut être? Quel gars il déclenche les pièges, mais Oui. il en a un petit peu rien à faire. Alors, c'est la suite. C'est la suite.